Lors de nos rencontres avec les salariés, majoritairement dans le cadre des consultations individuelles, il arrive que nous détections les signes d'une détresse psychologique telle qu'un relais, à minima, vers le médecin du travail, le médecin traitant, voire les urgences est nécessaire. C'est le cas lorsque le salarié, épuisé par le poids de la souffrance, exprime des propos suicidaires concrets qui nous font craindre un passage à l'acte. C'est parfois aussi quand un salarié, lassé de plus se sentir compris, soutenu, témoigne une vive agressivité à l'égard d'une ou plusieurs personnes de son entourage professionnel. Dans de telles situations, nous ne pouvons taire les propos qui nous ont été livrés et, toujours en accord avec le salarié, on va convenir du relais et des actions les plus adaptées à sa situation.